Mathieu de Fenixo, accompagné par Valérie Ernoux et Franchot Ribano de la Maïf. Merci de les accueillir tous les trois. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce sujet. Alors Nabil le présentait, ô combien passionnant, le design pour l'expérience collaborateur. Et donc on va revenir sur deux ans et demi de collaboration avec la Maïf sur ces sujets et vous expliquer d'où on est parti et comment on a avancé et où on arrive aujourd'hui. Merci avant de commencer à nos sponsors, à tous les sponsors du FLUPA qui nous permettent d'être ici aujourd'hui, qui nous permettent d'être dans cette belle salle, dans ce beau lieu de la Villette. Et merci à eux pour le soutien à l'association. Alors je vais laisser Franchon et Valérie se présenter, dire deux mots sur leur fonction, et ensuite on en viendra au sujet. Bonjour, Mathieu nous a proposé très gentiment de participer à ce partage d'expérience, finalement, vous allez le voir, a été plein aussi de rebondissements, et c'est ça aussi qui est passionnant dans le mariage entre l'expérience collaborateur et le design. Moi, j'ai la chance d'occuper deux rôles au sein de la Maïf dans la direction des richesses humaines. J'occupe un rôle de manager, le manager des expérienceurs, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard, et puis je suis également depuis peu business owner d'une tribu agile, parcours et solutions RH, un tout nouveau monde aussi pour moi, où je découvre le monde de la DSI. Donc, bonjour à tous, donc Valérie Ernoux, je suis responsable de projet donc, à la Maïf, direction des richesses humaines, donc dans l'équipe de Fonchon, et je suis arrivée en tant que responsable de projet après 25 ans de management. Et pourquoi les richesses humaines? Parce que c'était en tant que manager, on a toujours à cœur de mettre l'humain effectivement au centre, et du coup c'était une continuité de ce que j'avais fait durant ces 25 ans. Et donc Mathieu Joigny, cofondateur de l'agence Fenixo, je dis deux mots parce que c'est aujourd'hui moi qui suis sur scène. Mais il y a toute une équipe qui a travaillé, qui a contribué en fait sur ces deux ans. Je mentionne Fabien, Cédric et Romain. Un grand merci à Fabien d'ailleurs pour la mise en relation. Et aussi l'équipe Le Coup d'Après sur lequel on fait du design prospectif, design fiction, de la prospective créative. Et un grand merci à Vincent que vous avez peut-être croisé. C'est le barbu, le moustachu aux cheveux longs qui nous a bien aidé en fait sur la réalisation du support pour aujourd'hui. Donc merci à Vincent, bisous cœur Vincent. Alors, avant de démarrer, on va poser quelques questions, savoir à qui on a affaire, savoir qui a déjà entendu parler de design d'expérience collaborateur. Est-ce que vous pouvez lever la main, si c'est le cas? Ok, très bien, merci. Ensuite, est-ce que vous avez tenté des trucs sur l'expérience collaborateur, que vous soyez designer ou partie prenante du design ou RH? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont tenté des trucs? Ok, il y en a un peu moins. Et ensuite, en tant que collaborateur, salarié, est-ce que vous avez connu des mauvaises expériences? Ok, donc il y en a beaucoup plus. Quel potentiel! Alors, merci, donc, ça veut dire que le sujet vous intéresse, vous préoccupe. Ben, on va revenir sur la genèse de ce sujet, cette préoccupation à la Maïf, avec Franchon qui va nous présenter l'équipe, les défis, et puis l'envie, d'où c'est parti. Alors, comme je vous le disais, je travaille à la direction des richesses humaines. Il manque peut-être le petit diapo d'après. Ouais. Merci beaucoup. Direction des richesses humaines. Alors déjà, le titre emporte un peu notre ambition. On veut sortir un peu de la fonction RH, peut-être administrative, qui est plus connue. L'expérience collaborateur, on a vraiment cette envie de mettre le salarié comme un client au cœur de nos dispositifs. On l'a vraiment matérialisé fin 2018 en posant déjà une promesse. Une promesse qu'on adresse aussi bien aux salariés qui sont dans l'entreprise qu'aux candidats qui auraient envie de nous rejoindre et qui reprend les attentes des utilisateurs internes, à savoir une proximité, une logique de réactivité, d'ascension sincère. Et également, pour aller plus loin, et c'est ce qui est nouveau, de leur faire vivre des expériences. Pas juste d'être au rendez-vous de ce qu'ils attendent au minimum, mais d'aller plus loin et de faire vivre des expériences. Et pour pouvoir être concret et mettre en œuvre cette promesse, il fallait aussi se réorganiser, sortir aussi du schéma un petit peu classique de notre service administratif RH, le service de la paye, etc., que vous connaissez. Et donc, on a voulu aussi être un peu disruptif et redonner des noms
à nos différentes communautés qui chacune ont une offre de service à destination des salariés. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il y a derrière chaque nom. Et les expérienceurs ont finalement pour rôle et raison d'être d'aller rechercher des innovations RH, aussi bien sur les parcours, sur les postures en relation avec le salarié, sur également des solutions digitales. Et également, ça embarque, et c'est très important, toute la communication RH pour faire connaître tout ce qui évolue au bénéfice des salariés et également pour faire connaître la marque Maïf, mais en tant qu'employeur. Donc finalement, l'expérience collaborateur, je pense qu'on en faisait un peu tous déjà sans le savoir, on ne l'appelait pas comme ça. Quand j'échange avec des homologues qui travaillent sur l'expérience collaborateur ou la RH ou l'innovation, souvent quand on leur demande de dire sur quoi vous travaillez en premier, ils disent on va déjà commencer par travailler sur le rapport collaborateur-manager, la notion de management dans l'entreprise. Et nous, lors du précédent plan stratégique à la Maïf, qui s'appelait l'audace de la confiance, c'est finalement un premier socle qu'on a posé, sans parler encore une fois d'expérience collaborateur, mais qui nous paraissait fondamental, c'est de changer aussi le rapport au travail entre le manager et le collaborateur. Et pour ce faire, on est parti ce qu'on appelait en exploration, donc en learning expedition, voir des entreprises qui ne fonctionnaient pas forcément comme nous et qui avaient un autre rapport sur la notion de management. Et donc c'était tout le travail sur le management de la confiance qu'on a mené pendant 5 ans, qui est encore un travail de tous les jours, c'est jamais gagné, mais qui a posé un socle fondamental qui nous a permis d'aller ensuite plus loin. Dans le plan stratégique actuel qui s'appelle Engager pour demain, donc là forcément ça fait aussi écho à tout ce qu'on a entendu ce matin, à notre petit niveau on porte un peu la marque de l'assureur militant avec chaque acte compte et on essaye nous, dans l'expérience salariée, de le faire vivre aussi à nos salariés, qui est vraiment cette symétrie en sensibilisant à tous les actes du quotidien qui font que, oui ou non, on sera responsable vis-à-vis de notre écosystème. Et dans ce nouveau plan stratégique, on a l'ambition, finalement, de développer cette culture de vivre une expérience Maïf, que l'on soit au contact de l'extérieur, nos sociétaires, nos clients, nos partenaires, des gens comme Mathieu avec qui on travaille, mais également nos salariés. Et donc pour développer cette culture et cette expérience Maïf, il faut bien sûr avoir un langage commun et des éléments sur lesquels s'appuyer. Et pour ça, on a nos amis designers de la Maïf. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont venus nous écouter, je vois, dans la salle. Il fallait finalement qu'on se mette d'accord sur ce que c'était que les ingrédients indispensables pour se dire que quand je rentre dans un lieu Maïf, quand je travaille avec des collègues Maïf, je sens cette marque, cette différence. Je sens que je vis quelque chose de Maïf. Et pour ça, c'est comme une recette. Les designers nous ont alimentés d'ingrédients qui nous représentaient pour que finalement cette empreinte reste dans nos actes du quotidien. Et ça veut dire aussi essayer de se l'appliquer en interne. Donc c'est super, on a le cadre, on a l'ambition, on a de la matière. Maintenant, comment on s'y prend ? C'est toute une histoire de culture et de changement, encore une fois. L'ARH, vous l'avez dit dans la salle, quand je vois le nombre de mains, ce n'est pas le premier réflexe de dire je vais me tourner vers le design pour aller finalement faire évoluer les parcours collaborateurs, l'expérience au quotidien avec l'ARH, etc. Donc clairement, je pense que c'est aussi par curiosité et par intérêt personnel, je me suis dit que pour changer peut-être les choses à mon petit niveau avec l'équipe et en faisant des petits pas, il fallait chercher un regard qui n'était pas un regard RH. Et je trouve assez intéressant le regard du designer qui se pose toujours plein de questions, qui est curieux de tout et qui observe. Et c'est ce que j'ai demandé à Mathieu, c'est le contrat que je lui ai mis entre les mains. C'est de dire, est-ce que tu peux nous aider ? Nous, on ne deviendra jamais des designers, on a des gens qui font ça très bien, sur lesquels on peut s'appuyer. À la RH, voilà, ce n'est pas notre métier cœur. En revanche, est-ce que tu peux nous aider à développer ce regard et cette posture du designer qui, pour moi, est la base pour voir les choses autrement ? Alors justement, développer cette posture et cet œil du designer, d'abord il a fallu se mettre d'accord sur ce qu'était que le design. On s'est appuyé sur la définition de Stéphane Vial, et vous allez voir qu'elle est riche, qui nous dit « c'est un processus qui a pour finalité de créer des expériences à vivre en transformant les usages ». Expérience à vivre, expérience collaborateur, on a vu expérience manager, et qui va transformer les usages, dans le sens aussi où peut-être demain l'évaluation, peut-être des mécaniques de mobilité interne vont être différentes et comment est-ce qu'on peut transformer ces usages-là, comment est-ce qu'on peut transformer la relation du collaborateur à son manager, à son employeur.
Et une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, ensuite, il a fallu définir notre socle méthodologique. Vous le connaissez, je vais pas creuser. Le socle du design de service, le double diamant. Et puis, on a défini ces éléments-là. Le premier diamant sur la partie problème, compréhension du contexte, et le deuxième diamant sur la partie de la solution. On s'est accordé avec l'équipe sur qu'est-ce qu'on voulait mettre comme outil dans ces différents espaces. Et pour rassembler ces outils-là, on leur a mis entre les mains un livre qu'on a écrit. Et c'était les premiers d'ailleurs utilisateurs de ce livre, un livre qui est fait pour des non-designers. Comment est-ce que, en tant que non-designer, je peux commencer à m'approprier, mieux comprendre ce que c'est que cette approche-là et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter dans mon quotidien, que je travaille dans une direction marketing, que je travaille chez les RH, que je travaille à la R&D, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter cette approche de design. Et donc avec des éléments très pratiques, ça a pu outiller l'équipe dans son avancée. Cette notion, je l'ai illustrée là qu'on retrouve dans le livre, c'est aussi un moteur personnel. Ça fait une dizaine d'années que j'enseigne à des designers, mais aussi à des non-designers. Et ce moteur personnel, c'est comment est-ce qu'on peut décloisonner le design? Comment est-ce qu'on peut faire que le design soit pas une discipline avec des frontières, avec des murs trop hauts? Et comment est-ce qu'on peut ouvrir les murs de cette discipline, créer des liens avec toutes les parties prenantes, que ça soit sur du développement produit, mais aussi sur d'autres aspects? Et c'est dans cette approche-là qu'on a abordé le sujet avec l'équipe des expérienceurs RH. Et justement, ce sujet, on l'a abordé avec trois piliers. Un premier pilier, on creusera, qui est la montée en compétences. Un deuxième pilier, qui est l'avancée et le coaching, et la montée en compétences par les projets. Et la troisième force, troisième atout, c'était ces deux référentes, donc Valérie et Sylvie. Et je laisse la parole à Valérie qui va en parler. Donc effectivement, j'ai la chance de pouvoir jouer ce rôle de référente au sein de l'équipe. Donc ce rôle consiste en quoi? Donc déjà, effectivement, d'accompagner l'équipe de façon collective et ou individuelle sur ces différents sujets, de les aider dans leur quotidien également, de lever les freins et surtout, j'ai envie de dire, de faire le lien aussi entre la partie théorique qu'on voit avec Mathieu et puis ce qu'on vit tous les jours dans notre équipe. Donc en résumé, j'ai envie de dire, on est vraiment avec Sylvie des facilitatrices pour toutes les parties prenantes et puis on est là pour ancrer cette posture de designer sur l'écoute, la recherche du besoin. Et depuis donc le début d'année, Fanchon vous a parlé donc de la tribu qui est arrivée à la RH, donc de ces notions d'agilité. Et là également, je poursuis ce rôle au sein de cette tribu. Merci Valérie. Alors justement, sur développer cette posture du designer, on va rentrer un peu dans le détail, comment est-ce qu'on s'y est pris. Ça peut peut-être vous donner des pistes demain pour agir dans vos entreprises. C'est ce qu'on raconte, l'histoire qu'on est en train de raconter, elle a commencé il y a 2 ans et demi à peu près. Et elle a commencé par une formation UX Design Thinking de 2 jours. Ensuite, on va revenir dessus sur des temps forts et puis une forme de climax qui était cette Learning Expedition à Nantes. Alors cette formation, une formation orientée sur l'expérience collaborateur. Okay, on a repris le socle du design de service. On l'a adapté pour l'expérience collaborateur et l'équipe est déjà venue avec des sujets de préoccupation. Mobilité interne, rémunération, évaluation, etc. Et donc, on a travaillé ces sujets pendant les 2 jours. Ensuite, l'accompagnement s'est poursuivi avec des temps forts. Un temps fort, c'est quoi? C'est une demi-journée, tous les 3 mois, sur lesquels on aborde des nouveaux sujets théoriques, comme comment bien mener des interviews, comment définir une stratégie de recherche, comment définir des axes de travail, comment faire la synthèse, la synthèse visuelle en fait de ma recherche utilisateur, comment la rendre communicable. Donc tout un tas de sujets qu'on a pu aborder avec l'équipe. Ça, c'est la première partie du temps fort. Et la deuxième partie du temps fort, c'est le retour sur les projets. Pendant les 3 derniers mois, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Qu'est-ce qu'on peut apprendre collectivement des difficultés que vous avez rencontrées ou des forces que vous avez pu voir de telle ou telle approche avec telle ou telle partie prenante? Et ensuite, je vous disais le climax de ces 2 ans, qui a été une learning expédition. Maintenant qu'on a une équipe d'expérienceurs RH qui maîtrise au moins le langage et certaines approches de design, on va chercher à se confronter à d'autres, voir comment des étudiants de l'école de design de Nantes, dans laquelle j'ai la chance d'enseigner, sur différents labos, abordent différentes problématiques. Dans des labos qui ont travaillé par le passé sur des problématiques d'expérience collaborateur, et aussi en lien avec le Conseil départemental de la Loire-Atlantique, qui fait partie
des collectivités les plus avancées et les plus motrices sur des questions de design. Ils ont fait une publication qui résume leurs 10 ans d'expérience et savoir-faire sur ces sujets à la documentation française, vous trouverez ça sur le web, et qui montre comment est-ce qu'ils se sont appropriés eux aussi ces approches de design. Donc en ayant discuté avec ces deux entités, bah, ça a permis d'enrichir l'équipe dans son apprentissage. Pour finir, on va dire ces deux ans d'apprentissage théorique en beauté, ou en tout cas pour montrer à Mathieu qu'on avait quand même bien compris ce qu'il attendait aussi de cette formation. On a travaillé avec l'équipe donc sur une cartographie d'expérience durant ces deux ans, une cartographie qui reprenait donc tous les temps forts de formation. Et c'est du coup ce qu'on a offert donc en cadeau à Mathieu, ainsi que le formidable t-shirt qu'il porte sur lui. Alors, non, on n'était pas du tout au courant. C'est vrai qu'on lui avait lancé le défi lors de notre dernière prestation, on va dire, à Rennes, et on lui avait dit bon, il te manque le t-shirt quand même. On est un peu déçus. Donc voilà, c'est chose faite. Merci Mathieu pour ce cadeau. Avec plaisir. Et donc, alors, on va revenir maintenant sur des projets. On a parlé un peu du cadre pédagogique, comment est-ce qu'on a pu avancer. Et concrètement, sur quel projet est-ce qu'on a pu avancer ? Et je vais laisser la parole à Fanchon sur le parcours déjà. L'expérience collaborateur, ça touche toutes les interactions dans l'entreprise. Nous, à notre niveau, on n'a pas l'ambition d'améliorer l'expérience sur l'ensemble des interactions qu'un salarié a dans l'entreprise, que ce soit avec ses bureaux, avec ses outils du quotidien. Notre terrain de jeu, il est vraiment le parcours collaborateur, les moments clés identifiés dans une expérience professionnelle qui sont à partir du moment où j'identifie la Maïf comme un potentiel employeur, parce que voilà, ça me parle et j'ai envie d'aller rejoindre cette entreprise et de mettre mes compétences et d'apprendre dans cette entreprise, ben j'ai un premier contact avec la Maïf. Qu'est-ce qu'on me raconte ? Qu'est-ce que je vis déjà dans cette première étape où je m'informe et je candidate ? Et puis ensuite, ben vous retrouvez tout ce qui est un peu, sans être bien sûr linéaire, dans un parcours collaborateur. Il y a l'importance de l'intégration, l'importance des moments liés à la formation et mon accompagnement, les moments où je change un peu d'orientation, les moments où je pars. Et puis, il y a tout ce qui est mes questions RH du quotidien, qui sont aussi liées parfois à des problématiques personnelles ou des événements de vie personnelle et qui sont extrêmement importants dans l'expérience aussi collaborateur et que je retiens, parce qu'il y a souvent de l'émotionnel derrière, quand je suis en contact avec la RH. Donc c'est ça notre terrain de jeu aujourd'hui. Un terrain de jeu qui se décline on l'a vu, il y a une dizaine de sujets, on le voit ici, qui ont été abordés par l'équipe. Les salariés aidants, la mobilité interne, le pré-boarding and boarding, le parcours collaborateur, Fanchon vient de l'expliquer. Et puis on va faire un zoom tout de suite sur le projet reconnaissance et le chantier évaluation avec Valérie. Alors effectivement, vous voyez plusieurs projets, mais le premier qui a démarré en utilisant ces techniques de design, c'est le sujet évaluation. Alors ce sujet évaluation s'inscrit dans un projet donc de l'entreprise qui s'appelle Reconnaissance Mutuelle. Donc comme vous pouvez l'imaginer, rien que par l'intitulé, c'est un projet qui est vaste, ambitieux, qui touche beaucoup, beaucoup de sujets, donc qui a été découpé, on va dire, en sous-chantiers, en passant par la refonte, donc du coup, des fonctions repères, par la classification, par la mobilité et du coup, par l'évaluation et la rémunération. Donc voilà le contexte dans lequel on a pris le sujet évaluation. Et puis, du coup, j'ai envie de dire, en tant que responsable de ce projet et en étant en plein dans la formation design, je me suis dit c'est le moment d'y aller, de mettre en pratique tout ce qu'on a vu. Donc c'est vraiment notre premier projet porté avec ces éléments. Donc il a parlé tout à l'heure, Mathieu, de son livre. Eh bien, peut dire qu'on a commencé par ouvrir le bouquin et du coup on s'est dit bon ben voilà, on va commencer par le diamant, les premières phases du diamant, et donc on a commencé à réaliser de la veille. Et du coup toutes les lectures qu'on a pu faire sur ce sujet nous ont permis aussi de bien comprendre le sujet et également déjà de détecter des entreprises innovantes sur lesquelles on allait pouvoir aussi s'appuyer. Donc en parallèle de ça, on a mené une recherche utilisateur, une étude donc qualitative auprès de salariés Maïf pour détecter à la fois ce qui fonctionnait bien, parce que on partait pas de rien, donc à la fois ce qui fonctionnait bien et à la fois donc les irritants. Donc après cette recherche utilisateur, donc ce que vous trouvez à l'écran,
On a effectivement synthétisé tout ça avec des personas et un parcours autour des émotions vécues et de l'expérience vécue. Je vous l'ai dit, on était au démarrage de notre apprentissage. Donc là également, on s'est fait aussi aider par des designers qui travaillent plutôt en lien avec les sociétaires, mais qui nous ont apporté leur aide. Donc quand on a fini cette recherche utilisateur, du coup, on est parti en LearnX. On a visité donc des entreprises pour s'inspirer. Et avec riche, j'ai envie de dire, de tous ces éléments, parce qu'on avait capté beaucoup d'informations, on est parti en Design Sprint. Donc Design Sprint qui a été piloté par Mathieu, parce que là aussi, c'était notre première expérience, donc un enjeu très fort. Et qui dit effectivement Design Sprint, dit prototypage. Et on a travaillé sur le prototypage, sur la cartographie d'expérience visée. Et là où vous retrouvez effectivement tous les temps forts de l'évaluation qui ont été imaginés. Et aussi les intentions fonctionnelles et les intentions émotionnelles. Et là du coup, dans les intentions émotionnelles, je vais faire le lien avec ce que Fanchon vous a présenté sur les ingrédients maïfs. Parce que pour nous, c'est important de s'assurer que dans ces intentions émotionnelles, on retrouvait bien les ingrédients maïfs pour que, comme le sociétaire se sente maïf, le collaborateur qui vit cette expérience d'évaluation se sente également maïf. Donc, fin du design sprint, prototypage, qui dit, ensuite, on est parti donc, en expérimentation. Donc voilà, on a suivi vraiment le cycle du diamant. Et là, tel que tu me le racontes, ça a l'air hyper fluide, mais tout s'est bien passé. Super. Non, j'ai été confrontée, on va dire, à quelques difficultés. La première difficulté, c'est de convaincre les managers de l'intérêt de la démarche. Pourquoi de l'intérêt de la démarche ? Parce que derrière, il faut qu'ils libèrent leurs collaborateurs. Et quand on arrive en se disant, vous devez libérer vos collaborateurs 2 jours en LearnX, 2 jours en Design Sprint, plus quelques heures de préparation... On a un recul immédiat, j'ai envie de dire, et forcément des questions et des interrogations. Donc ça, c'était le premier challenge à relever. Le second, on est sorti donc du design sprint avec un prototypage, et on a mis quasiment 1 an avant d'expérimenter. Donc ça va, je sens que ça vous paraît juste énorme et peut-être incompréhensible d'avoir ce temps. Mais il a fallu à la fois convaincre tous les commanditaires, j'ai envie de dire, et on a un peu repris le principe de validation des différentes strates. Et puis également, on s'est trouvé dans un contexte d'entreprise avec beaucoup de sujets qui sont arrivés sur la table, le Covid, on n'a pas échappé non plus. Et du coup, des équipes qui étaient très très chargées, donc on a fait le parti pris de décaler l'expérimentation. Donc voilà, et il y avait, je crois, un troisième écueil, c'est de dire, quand je suis sortie du design sprint avec cette fameuse cartographie d'expérience, pour moi, il y avait l'enthousiasme de l'équipe projet, et on était tous persuadés de détenir, je vais appeler ça comme ça, la slide miracle. C'est-à-dire que grâce à cette slide, tout le monde allait comprendre ce dispositif, les intentions à la fois fonctionnelles et émotionnelles qu'on avait voulu transmettre. Et je me souviens encore donc de la première réunion où j'ai présenté ça aux personnes de la RH qui accompagnent les équipes. Et bah devant, j'avais franchement des visages qui disaient « Mais c'est quoi ce truc ?» Donc l'importance, effectivement, de vulgariser un peu les choses, de se mettre à la place des gens qui n'ont pas forcément toute cette connaissance. Et ce qui nous a permis aussi, derrière, de construire un visuel que vous voyez là, beaucoup plus simple, dans une approche beaucoup plus fluide et facile pour les personnes à qui on allait présenter donc ce projet. Donc au bout du compte, j'ai envie de dire, on est fiers d'avoir mené ce projet de cette façon-là, puisque après l'expérimentation, on a eu à peu près 10% à peu près de la population maïf qui ont expérimenté, et on a vraiment eu des retours très positifs, et aujourd'hui, c'est le dispositif qui sera mis en place pour les 8000 salariés de l'entreprise.
Et donc là, c'était la partie reconnaissance qui s'est déclinée ensuite en évaluation, en expérience-évaluation. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, effectivement, ce qui a été aussi une de belles réussites, c'est que il y avait donc une équipe qui menait le chantier rémunération. Mais nous, de notre côté, lors effectivement de la recherche utilisateur et également du design sprint, on a remonté beaucoup, enfin on a remonté des irritants et aussi des solutions que l'on a livrées, j'ai envie de dire, à l'équipe qui est en charge cette ce chantier rémunération. Alors, ils ont travaillé entre experts RH pour trouver le futur dispositif. Mais ce qui a été très intéressant, c'est qu'ils se sont appropriés aussi ces méthodes et qu'ils sont venus nous solliciter pour dire, bon, bah, ok, on a sorti quelque chose entre nous, entre experts et RH. Maintenant, comment on peut faire pour aller voir la robustesse de ce qu'on a fait auprès des utilisateurs? Et donc, en fonction des objectifs qu'ils avaient, ils en avaient trois. C'est de voir le manager en situation quand il reçoit ce nouveau process, comment il réagit, quelles sont les questions qu'il se pose. Le deuxième objectif, c'était aussi de tester l'outil qui avait été mis à disposition. Et le troisième, d'aller chercher des besoins en accompagnement lors du déploiement de ce dispositif. Et donc, du coup, on leur a proposé de faire de l'observation en mixant également donc, des interviews. Et du coup, Fanchon, là, qui va prendre son rôle de manager, puisqu'elle a fait partie du panel de testeurs qui a vécu l'observation en direct. Merci. On s'était vraiment fixé un challenge avec Mathieu, c'était est-ce que tu penses, Mathieu, que sur les sujets RH, on pourrait faire de l'observation ? Et c'est vrai que les sujets RH, vous êtes souvent avec votre RH sur des sujets confidentiels, enfin, c'est pas des situations où on imagine un observateur se positionner là et regarder ce qui se passe, en fait, même sur un recrutement. Et puis, quand l'équipe projet m'a dit, bah, nous, on a pensé un sujet, le sujet de la rémunération, j'avoue que j'étais un peu sceptique en me disant, mais la rémunération, c'est quand même le sujet touchy, c'est les trucs qui font vraiment appel à des biais personnels ou à des rapports qui sont très différents. Et j'étais un peu sceptique même sur le fait qu'on ait des volontaires. Et en fait, on a eu plein de managers qui se sont portés volontaires pour accepter, encore une fois, d'être observés sur, voilà, j'ai maintenant un nouveau système, je vais devoir décider d'une augmentation pour mon collaborateur, comment je m'y prends, quelles questions je me pose, quels sont les critères que je prends en compte, etc. Et tout ça, pour l'avoir testé, on le verbalise devant notre observateur, en qui on a confiance, hein, parce que ça nécessite quand même, parce qu'on le fait à blanc, mais avec nos vraies équipes, hein, avec les vrais salaires en face, etc. Donc voilà, on est sur cette logique-là. Et je me suis rendu compte à travers et l'observation et les questions et l'obligation de verbaliser, moi en tant que manager, la puissance de ce que ça pouvait apporter d'avoir en fait fait cette séquence-là. Parce que ça a apporté plein de matières, chaque manager étant dans des situations avec des équipes plus ou moins importantes, etc. Des choses que l'on n'aurait jamais identifiées si on avait fait notre façon plutôt classique. Hein. On a rédigé un accord, un système de rémunération, on le déploie, avec bien sûr de l'accompagnement de la com, mais sans tenir compte de toutes ces façons d'appréhender et de vivre le truc quand on va être confronté à cette situation en tant que manager. Donc le test and learn qui a prouvé aussi que sur ce genre de sujet, c'était possible. Pour conclure avec quelques résultats. Je vais aller très vite parce que du coup, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais juste vous donner une information qui est pour moi la plus importante. C'est qu'à la fin de l'expérimentation, quand on a interrogé donc, les personnes sur comment elles avaient vécu ça, on a eu beaucoup, beaucoup de verbatim sur le fait qu'on ne voudrait pas revenir en arrière. Donc, pour nous, effectivement, en termes de résultats, c'est un chouette résultat. Et également, on a toujours gardé le cap des remontées qu'on avait pu avoir de la part des utilisateurs. Je vous l'ai dit, on a eu un temps très long, sur ce projet. Et d'avoir toujours en tête les besoins des utilisateurs et de garder ça précieusement et d'y revenir, ça a été aussi pour nous extrêmement important. Et aujourd'hui, on déploie sur 8000 salariés, donc c'est quand même un projet mené avec les méthodes de design, un projet quand même d'envergure. Fanchon, je crois que c'est à toi. En deux mots, Fanchon, pour conclure. Oui. Quand on fait le retour sur expérience, Mathieu m'a posé la question, qu'est-ce que tu aurais fait différemment ? Est-ce que tu, maintenant avec les 2 ans et demi de recul extraordinaire, est-ce que tu aurais approché différemment les choses, choisi d'autres sujets ?
Je dirais que non, en fait. Je pense que vraiment, ce qui marche, c'est d'oser y aller, de prendre des sujets qu'on n'aurait peut-être pas pris. Donc, les biais dont je vous parlais, c'est-à-dire oser même sur de la matière qui paraît un peu abstraite. C'est oser aussi se dire que, encore une fois, la démarche complète, elle est fantastique, mais elle peut être lourde aussi, hein, quand on fait toutes les étapes du diamant. Donc, c'est aussi se dire, peut-être qu'il y a des sujets qui permettent d'aller sur l'ensemble des étapes du design de service, d'autres moins, mais pour autant, gardons la richesse de certaines étapes qui sont le questionnement, la recherche utilisateur notamment, et le test et prototypage, sans forcément peut-être tout dérouler, surtout quand nous-mêmes on n'est pas experts et qu'on peut s'appuyer sur des gens dont c'est le métier. Et puis, bien sûr, la notion de vulgariser les bénéfices. J'ai trouvé très intéressant les échanges qu'on a pu aussi avoir hier sur des ateliers, sur cette notion de comment je sais que j'ai avancé, quels sont les KPIs pertinents, les indicateurs à mettre en place. Dès qu'on sort de la sphère purement outil, où là, on est en capacité, et c'est le cas dans la partie tribu que je porte aussi, de mesurer si les gens ils sont satisfaits de leur expérience sur le digital, de l'évaluation, puisqu'ils s'appuient aussi sur un outil par un éditeur, hein, l'évaluation. Donc il faut valider l'entretien aussi dans l'outil. Ça, je dirais que c'est plus facile à mesurer, mais dès qu'on va rentrer dans est-ce que toutes les étapes ont été fluides pour moi, est-ce que la promesse richesse humaine dont je vous parlais tout à l'heure, elle s'est retrouvée dans les moments où c'est important pour moi, tout ça, c'est assez difficile finalement à mesurer. Et quand on interroge les autres, encore une fois, homologues qui travaillent sur tout ça, ils n'ont pas encore non plus trouvé les bons indicateurs. Donc je pense qu'il y a encore plein de choses à trouver et à imaginer avec vous sur ces sujets, de comment je suis aussi les évolutions et les améliorations sur ces sujets-là. Maintenant, comment est-ce que vous, dans vos entreprises, vous pouvez démarrer sur ces sujets, et les quelques conseils qu'on a pu rassembler avec Valérie et Fanchon pour que vous tentiez des trucs, déjà, ça serait de trouver un terrain de jeu. Un terrain de jeu sur lequel vous pouvez vous ménager quelques libertés, où vous pouvez aussi avoir des résultats qui sont visibles assez rapidement. Je pense à la journée d'onboarding, sur laquelle il y a des enjeux, mais il y a moins d'enjeux que sur l'évaluation, que sur la rémunération, et donc il y a matière en fait à tenter des trucs là-dessus. Ensuite, impliquer les RH sur vos actions et aussi dans la communication des résultats et des bénéfices. Et dans un troisième temps, décider avec les RH en tant que designer, quand vous voulez vous atteler sur ces questions, aussi de vos terrains de recherche, de vos territoires de recherche, pour voir quels sont les territoires demain qu'on pourra définir. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est rendu compte que ça avait bien marché. En conclusion, pourquoi est-ce que ça vaut le coup de tenter le design sur des approches de RH? Il y a un groupe, il y a une quinzaine d'années, qui nous a fait danser avec cet album Human Before All. Pardon, Human After All. Et du coup, on pourrait dire que le lien entre les RH et le design, c'est Human Before All, c'est l'humain. Et par nature, il y a un lien entre ces deux approches, ces deux, on pourrait dire, pratiques. Et donc, c'est pour ça que ça vaut le coup d'être tenté. Merci à toutes et à tous.